Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau véhicule. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, bon, c'était pas un nouveau véhicule, mais c'est le pire véhicule de GTA V. Je vous invite à aller la voir. Vous allez sur ma chaîne et tout simplement, vous allez voir la vidéo d'hier. Elle est pas mal. Alors, donc aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter le tout nouveau véhicule qui est sorti. Donc, c'est un véhicule drift en fait, tout simplement. Alors, on va aller dans mon garage tranquillement. Donc, c'est un petit véhicule drift, vous allez voir, qui est vraiment stylé. Enfin, du moins, qui a l'air pas mal. Il s'appelle, alors je vais vous montrer le nom, parce qu'en fait il a un nom assez bizarre. Attendez, je regarde, je vais monter dessus. Voilà. Il est là. Déjà, on peut voir que c'est vraiment le style drift. Donc je vais vous montrer le prix du véhicule. Alors, vous allez dans South San Andreas. Pardon, je suis parti un peu en mode freestyle là. Donc c'est le Vulcar Nebula Turbo. Donc le prix du véhicule, 797 000. Donc sans customisation, bien évidemment. Et donc, c'est un véhicule des années 70, d'après ce qu'ils nous disent. Une brique qui lance. Turbo combustion, c'est difficile à lancer. Ok. Donc, vraiment, c'est vraiment un véhicule drift. Et on va voir tout simplement comment il drift. Est-ce qu'il drift bien? Est-ce qu'il a un bon bruit? On va voir toutes ces choses. Ouh, déjà, il fait nuit. Quand il fait nuit comme ça, c'est pas bon. Bon, ça va, il est 2 heures. Il est 2 heures, ok. Je vais aller custom ça tranquillement. Il y a que moi pour faire un double créneau. Le game est bien, mais moi je suis obligé de faire un double créneau. Donc là, je suis dans mon casino. D'ailleurs, tranquillement. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à la roulette et qui ont déjà gagné des trucs dans le casino. Et bien évidemment, encore une fois, dans les commentaires, vous notez la customisation du véhicule sur 10 à la fin de la vidéo. Tranquillement, quoi. Là, pour l'instant, c'est vrai que le véhicule il drift pas mal. Hein. Ouais. Ah, bah, il patine. Hein. Je sais pas si vous entendez le bruit. Regardez, je vous fais écouter. Je parle plus. Ah, il patine. Wow, ah ouais, c'est vraiment drift, drift, hein. Ok, il est stylé, il est plutôt sympa. Ah ouais, d'accord, le gars il tourne au dernier moment, quoi. Ok. Hop, je vais essayer de tourner à droite. Voilà. Il a un peu du mal, hein, au niveau. Vous voyez, il drift en fait. Quand je tourne, il drift. Genre là, par exemple, je tourne, il drift. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je tourne, il drift. C'est pas genre comme les autres véhicules, ils tournent et puis voilà, ils tournent quoi. On va prendre le saut, histoire de faire un petit kiff. Ok. Donc je rappelle le prix quand même, 797 000. C'est assez cher et on va voir si ça vaut les 797 000. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on peut mettre dessus, ce qu'on peut mettre comme customisation dessus. Donc c'est une sportive classique, je viens de le voir. C'est comme le véhicule que je vous ai présenté hier, sportive classique. C'est parti. Alors, blindage, on met à fond, frein, frein de course, pare-choc. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Ah, ça me fait penser au véhicule d'hier, genre pare-choc en carton. C'est le premier truc, mais il n'y a pas. Alors, on a de course, on a rallye, on a phase pare-choc 1, rallye, séparateur avec autocollant, et on a radiateur d'air course. Je vais mettre radiateur d'air course pour le moment. Pare-choc arrière, on a pare-choc couleur 1. Ok, rien de spécial. Moteur niveau 4. Échappement. Alors, on a échappement double. C'est ça. Échappement tuning. Et grosse boîte de conserve. Alors, personnellement, j'aime bien l'échappement tuning. Mais je vais quand même mettre la grosse boîte. Parce que c'est en fait, c'est le tuning, mais en un peu plus gros. Regardez, si on compare les deux. Je vais zoomer, regardez. Ouais, c'est un peu plus gros. Ensuite, L. Alors, donc on a L de série ou L avec autocollant. Alors, personnellement, je ne vais pas mettre autocollant parce que c'est dégueulasse. Et ça me fait penser à la Panto. Donc, on va laisser normal. Ensuite, calandre. On a calandre basique, calandre phare et calandre phare masque. Waouh! Ah ouais, stylé. Je vais mettre phare masque. Alors, je ne sais pas si on pourra, genre, quand on allume les phares vont s'enlever. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, capot. On a capot en carbone. Ok. Capot avec autocollant. On a capot rouillé. Capot turbo apparent 2. Capot turbo apparent x 2. Waouh! Voiture de drift obligée. Waouh! Ah ouais. What is this shit? Je vais mettre comme ça. Ça se passe d'explication. C'est vrai que là, quand tu regardes le véhicule comme ça, je vous montre un peu de haut. Ça se passe d'explication. On voit le moteur et tout, c'est pas mal. Ensuite, éclairage. Phare xénon, kit néon, on met. J'ai la couleur pour l'instant, bon, on ne sait pas. Motif, alors on a retour des années 70.
Course nordique, ouais, sans plus. Ah, pas mal. Camouflage géométrique, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas trop le style du véhicule. Camouflage normal. Vieille crasse. Ah ouais, magnifique comme ça. Waouh, stylé aussi comme ça. Grave stylé. Ah ouais, requin rouillé, pas mal aussi. On a quoi? On a celui-là. Celui-là, j'avais déjà vu sur d'autres véhicules. Celui-là, pas vu, il me semble. Donc, alors, on a requin rouillé. Requin rouillé qui me plaît pas mal. J'aime bien le graft. Matteo, t'aimes bien quoi toi? Dis-moi, tu préfères lequel? Moi, celui-là. Celui-là, celui-là ou celui-là? Non, le rouillé. Requin rouillé? Allez. Ouais. Requin rouillé. Ensuite, on a ça. Bon, on va mettre. Bon, ça c'est. Ah, on a couleur 1. Pas mal. Du coup, là, c'est en mode rouillé. Ensuite, garde-boue. Garde-boue couleur 1 ou couleur 2. Bon, on va mettre couleur 2. Plaque, on va laisser comme ça. Peinture. Ah, la peinture, c'est important. On va mettre une bonne peinture métallique. Non, je sais pas si. Les véhicules de tuning, c'est un peu métallique maintenant. Ou métallisé. Métallisé plus. Ouais, je vais mettre un métallisé, mais par contre, je sais pas ce qui va avec la rouille. Hein. Ah, ouais, regardez. Quand je change la couleur, ça change la couleur du moteur aussi. Qu'est-ce qui va bien avec. Qu'est-ce qui va bien comme couleur? Chrome, non, chrome, c'est pas bon. Je vais voir en blanc. Blanc, c'est pas mal. Bronze. Bronze, on a déjà. Argenté, bleuté. Ah ouais, c'est pas mal aussi comme ça. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est le motif qui fait que tu vois, c'est un peu compliqué. Jaune, c'est dégueulasse. Faut une couleur un peu rouge comme ça, non? Chocolat. Chocolat, c'est bien, non? Brun. C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué, je sais pas quoi mettre. Du tout. Étant donné la couleur du véhicule. Rouge, c'est. Je sais pas, saumon. Je sais pas si saumon, c'est bien. Rouge fraise, j'aime bien. Allez, c'est quoi mais rouge fraise? Allez, rouge fraise. Couleur secondaire, métallisé. Ça, par contre, je vais laisser en blanc. Ouais, ça, je vais laisser en blanc. Emblème de groupe, on peut mettre emblème de groupe, mais bon, ça gâche le motif. Alors, ça, on peut mettre. On va le mettre. Toi, alors, toi, ouais, j'aimerais bien voir ce que c'est comme toi. On a grande galerie, galerie alpine. Wow, stylé comme ça, on dirait. Ouais! On dirait pas une grande marque qu'on connaît tous. Regardez. C'est stylé, on dirait une grande marque. Ça me fait trop penser à une marque. Bon, je vais pas dire le nom, mais voilà. Bah on va mettre ça. Ensuite, aileron. Ah, on a des ailerons. Aileron, coffre carbone. Ça fait stylé le coffre carbone avec le motif. Aileron de course. Ah, aileron de course, c'est stylé, t'as vu? Genre, t'as deux baffes. On va mettre ça. Suspension de compétition. Transmission de course. Turbo, bien évidemment, on met. Alors, couleur des jantes. Le problème, c'est qu'on peut pas changer la couleur des jantes, tu vois. Qu'est-ce qui irait bien avec ce véhicule? J'aime bien les jantes de base, moi, mais le problème, c'est qu'on peut pas. Alors, rider. Comme ça, non? Qui ressemble. Ouais, couleur des jantes, on met. Quelle couleur, tu penses, les jantes? Tu veux mettre dans le thème rouillé ou rouge sang? Je sais pas. Je verrais bien un petit blanc. Blanc ou brun? Ah, ça fait pas. Ça blanc, ça fait kéké. Ça fait vraiment Jackie Tuning, quoi. Alors, regarde une couleur un peu comme ça. Comme ça, ouais. Sombre un peu. Genre comme ça. C'est propre. Pneu custom. Pneu à l'épreuve des balles. Fumée de pneu, on va mettre vert. Oh non, on va mettre orange. Voilà, ensuite fenêtre. Non, normal. Et il me semble que c'est. On a fini. Mais t'as vu le véhicule, il est pas un peu tordu, on dirait? Du roi à l'arrière. Ouais, regardez à l'arrière comment c'est. What the fuck, il est tordu le véhicule. Ah ouais, regardez. Je vais vous zoomer un peu, regardez.
Le véhicule est tordu. Je voulais juste voir un truc, c'était la couleur du véhicule. Et aussi, j'ai oublié de mettre les phares xénon. On va mettre rouge du coup. Alors voilà, c'était la couleur du véhicule. C'est où? Peinture, peinture. Voilà, attends, je vais juste faire un truc, motif, pour voir juste. Wow, comme ça, il est stylé aussi. Hein. On met quoi? On met ça? Mais là on bouge. Comme ça, on laisse comme ça. Pour le fun. Je suis sans rouge, ça Allez. ferait beau avec des phares xénon. Je vais mettre comme ça, je vais mettre comme ça. Pour le kiff, je vais mettre comme ça. Au pire, vous n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas de noter le véhicule sur 10. Bon, je crois qu'on a fini pour la customisation. Hein. Ah ouais, on dirait vraiment le véhicule de. T'as vu, on dirait ça fait un bonhomme, genre, deux yeux et tout. Alors, on va tester du coup si c'est vraiment un véhicule drift. Ah ouais. Ouais, il drift, hein. Abusé, waouh! Ok, je vais rouler un peu pour voir. Déjà, ce qui est stylé, c'est qu'on a des bagages en dessous, tout. Au-dessus, c'est magnifique. Waouh, le véhicule, il est magnifique. Il drift et tout, c'est vraiment stylé. Par contre, on voit qu'il a. On dirait que le véhicule, tu sais, il va mourir. Ah ouais, magnifique. Franchement, les gars, ceux qui aiment bien les voitures drift et tout, je vous le recommande. On va essayer de prendre un virage, mais tu sais, bien, bien à fond et drifter. Genre le prochain là, ici. Ouah, c'est stylé en vrai, magnifique. Je surkiffe. Ok, on reprend un virage pour le kiff. Ok, pas mal. Bon, du coup. Le prix du véhicule, je vous remontre une dernière fois, 787 000 sans les customisations, bien évidemment. Je pense qu'avec les customisations, vous en avez pour plus d'un million, largement. On va dire, allez, 1 million 2 avec les customisations. C'est le Vulcar Nebula Turbo. Et c'est pas mal. Je sais pas s'il a un turbo, non, il n'a pas de turbo. Turbo. Non, rien de spécial. Ok, et bah écoutons, c'est ça dessus.